Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des triceratops, ce triceratops. Elles sont en voie de disparition. Mouais. Yo les gens, salut à tous. Bah, Yassalam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, juste avant de vous faire une annonce en ce qui concerne le jour J du Giga Tacos. Bah, c'est parti. Je vais vous faire montrer la couleur de mes yeux. Alors, c'est vrai que j'ai toujours tendance à faire mes vidéos un peu, tu sais, quand il n'y a pas forcément un peu trop de lumière. Là, j'ai un peu de lumière. Je vais pouvoir justement vous montrer la couleur de mes yeux pour que vous puissiez vraiment savoir quelle couleur sont mes yeux. D'accord? C'est. Là, comme ça, on dirait quoi? On sait pas. Tu vois, longtemps comme ça, on sait pas. Si je fais comme ça, on sait pas. C'est, tu vois. Bon, bref, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Non, je rigole. Hop là. Ouais, je sais. Pas besoin de me le dire, j'ai une sale tronche, ça je sais. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ouvre bien mes yeux. Voilà, c'est bon. J'ai couleur, enfin mes yeux sont de couleur marron noisette. Voilà, exposé au jour. Donc marron noisette, cheveux noirs. Et bah puis voilà quoi. Ouais, oh, on a plus préféré les yeux verts ou les yeux turquoise, tu sais. Non, j'ai les yeux marrons et c'est pas pour me jeter des fleurs. Je suis content. Je suis content du sens où déjà, bah, d'une, je suis marocain, donc les lions d'Atlas. Et en plus, mon signe astrologique, c'est lion. C'est pas magnifique, t'es pas une grande. Bref, yo les gens, salut à tous. Oh putain, j'ai pas eu manger le sol. Donc, je recommence. Yo les gens, salut à tous, yassalam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo annonce, une vidéo où j'ai envie de m'ouvrir à vous. J'ai envie de vous dire quelque chose. Malheureusement, le Giga Tacos, eh ben, je le ferai bien demain. Donc demain, c'est un grand jour pour moi et pour vous aussi. La vidéo, en sachant que quand je vais la faire demain, elle sera publiée samedi à midi. Qu'on soit bien d'accord, ok? Par-dessus tout ça, par-dessus le Giga Tacos, c'est vrai que moi, personnellement, je suis content. Je suis content du sens où je sais que maintenant que je vais en finir, que le Giga Tacos soit fini ou pas, peu importe, en tout cas, c'est fait. Voilà, on aura le plateau, on aura vu à quoi ça ressemble, c'est devant mes yeux, tiens, t'es comment il aura essayé, etc. Au moins, c'est fait. Putain, j'en vois bien dimanche ou lundi prochain marqué, c'est pour quand le Giga Tacos? La tête d'homme, quelqu'un marque ça, je le banne de ma chaîne YouTube, définitivement. Bref, je voulais surtout aussi vous dire que je suis fatigué, non, pas fatigué, non, pardon, je suis en train de vous dire une bêtise. Je suis stressé. C'est pas pareil. Je suis stressé du sens où j'ai peur. J'ai peur de décevoir. Voilà. J'ai peur de décevoir. J'ai peur que les gens... Ouais, il va le finir. Au final, les gens s'attendent vraiment que je le finisse. Et au final... tout ça pour ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment peur de ça. Et puis, j'ai peur que les gens le réagissent mal. J'ai peur que les gens se braquent. J'ai peur que les gens se... Enfin, en gros, j'ai peur de m'en prendre plein la gueule. Je vais me donner à fond, je vous le cache pas. J'ai pas mangé. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, j'ai pas mangé ce matin. J'ai pas mangé ce midi. Mais je vais manger ce soir, je pense. Je pense que ce soir, une petite pizza, tranquillement. Une bonne petite pizza, bien croustillante, tiens, avec du bon fromage fondu. Ouais, tu sais, sans coca, tu vois, sans coca, juste une petite pizza, enfin, une petite bonne pizza, là. Ce soir, histoire de bien me préparer, et puis demain, ce sera un grand jour. Donc je pense que demain le Giga Tacos, je le ferai vers les coups de 19h, 20h le soir. Donc ça me laissera justement la journée pour bien mon ventre soit creux. Je serai bien à jeun. Et puis voilà. Après, je sais pas forcément comment m'y prendre parce que j'ai fait des tests. J'ai fait des tests quand j'ai fait le. Je vous le cache pas, quand j'ai fait le tacos XXL, vous étiez nombreux à m'avoir conseillé de boire de l'eau. D'accord? Chose que j'ai faite, j'ai bu de l'eau. J'ai ressenti aucune différence. J'ai l'impression que le coca m'aide plus, même si c'est vrai que le coca va plus te gonfler le ventre, mais il va te faire digérer. Tu sais, il va te faire rôter, le fait que tu rôtes, ça descend. Tu vois? Donc j'ai l'impression que c'est plus rapide pour moi. J'aurais plus de facilité avec le coca. L'eau, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que tu bois, ça t'aide un peu, mais ça descend pas. Et j'ai peur que ça me bloque justement. Donc je vais varier, je vais quand même prendre deux bouteilles d'eau, arriver là-bas, et puis deux canettes de coca. Et voir ce que ça va donner, et puis voilà.
Samedi, Inch'Allah, quand je publie la vidéo à midi, je compte vraiment sur votre soutien. D'ailleurs, une question qu'on me pose souvent, TK, tu penses faire des vues sur cette vidéo-là? Bah, je pense, ouais. Parce que c'est une vidéo qu'on attend vraiment tous. Et 300 000. 300 000, 400 000 vues. Enfin, un truc comme ça. Enfin, dans ces alentours, hein, peut-être un peu plus, 500 000, le demi-million de vues. Mais ouais, dans ces alentours. Si je fais plus, c'est la merveille. C'est la catastrophe. C'est bien. Tu vois? Si je fais moins, c'est pas grave. Mais ouais, je pars de l'idée 300 000, 400 000 vues en 48 heures. En 2 jours. Ça serait cool. C'est-à-dire 150 000 vues par jour. Ça serait vraiment énorme. Et puis voilà quoi. Donc, le Gigatacos, je le ferai demain, Inch'Allah. Quel lieu, je pourrais pas vous le dire malheureusement. C'est pas, j'ai pas envie de vous le dire pour pas justement, tu sais, pour pas que vous puissiez me voir. C'est qu'en fait, j'aurais besoin de concentration. En fait, si j'ai des gens devant moi, je sais que je vais me sentir observé, je vais me sentir gêné. Je sais pas, t'es une personne qui va te regarder, tu sais, ça comme, mais tu sais pas ce qu'elle pense vraiment de toi, tu sais. Ça sera là, tu sais, avec les yeux froncés comme ça, c'est mange, étouffe-toi, sale boîte, étouffe-toi, étouffe-toi. Ah, coucou, c'est bien, continue, étouffe-toi, sale boîte. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, ça me fait un peu peur, et puis voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai des photos. Et puis voilà. Je suis content de le faire, une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression, tu sais, que je vais me jeter sur un pont, tu sais, alors que c'est juste un gigatacos. Mais quand même, c'est gigatacos, c'est 2,5 kg de viande quand même, hein. C'est quand même beaucoup. Juste le fait d'en parler, ça me donne faim. Mais je sais, quand je vais arriver là-bas, il peut pas avoir le feu là tout de suite, là, tu sais, le mec, il cherche à. Quelqu'un peut mettre le feu dans le truc, tu sais. Enfin bon, enfin voilà, c'était tout ça pour vous dire ça, que je stresse un peu. Mais que ça va aller. Dernier jour aujourd'hui, demain le jour J, et puis voilà, vivement demain, vivement samedi que je vous publie la vidéo, et puis voilà. Sur ce, les Reyes, nous on se retrouve ce soir à 22h pour, je pense que ça va être une petite dégustation sympa, ouais. Tu sais, une bonne petite pizza, bien fraîche, bien bonne, ça fait longtemps des pizzas, et... Ouais, puis voilà. Allez, sur ça, les frères, je vais sur cette fin. L'album comme ça, parce que comme tu vas ici, merde.